En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ces paroles du Seigneur constituent en ce moment clé où le Seigneur se prépare pour laisser ses apôtres. Le moment où le Seigneur va monter au ciel, ces paroles qu'il dirige à ses apôtres constituent une flamme d'espérance qu'il veut rallumer en eux. Une source de certitude en la vérité de qu'il est toujours auprès des siens. Il ne les laisse pas comme des orphelins. Bien sûr qu'il les envoie comme des loups, bien sûr qu'il les envoie comme des agneaux au milieu des loups, mais il ne laissera pas que les loups les dévorent. Bien chers amis, dans notre vie de foi, dans notre vie, notre cheminement de chrétien, plusieurs fois nous faisons cette expérience de comme si le Seigneur ne nous écoute pas, comme s'il est loin. Les croix et les difficultés, on a étudié, on a les diplômes, on frappe les portes, mais rien ne sort. On essaie de voir, on va par ici, on va par là, rien ne marche. Nous sommes au jour le jour, à la messe, tout en priant, en suppliant le Seigneur. Mais nous faisons cette expérience comme si il nous a oubliés. C'est à toi que le Seigneur dirige ses paroles. Que ton cœur ne te bouleverse pas. Que ton cœur ne se bouleverse pas. Sois tranquille. Je ne t'ai pas oublié, je suis là, au milieu, présent, menant cette lutte avec toi. Et là tu te demandes, mais Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, à quand le dénouement? À quand ma victoire? Il te dira, ma force se déploie dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Ne baisse pas les bras. Continue de lutter et toujours dans cette union avec moi. C'est ça qui nous donne la force. C'est ça qui nous soutient sur le chemin de la vie. Parce que la réalité de la foi, de l'espérance et de la charité doit se faire nouvelle au jour le jour. Nous devons confesser cette foi, réaffirmer cette espérance et vivre dans cette charité qui nous donne la force et qui sont comme ces armements-là dont nous nous chargeons pour aller à la lutte. La lumière de la foi, le désir de l'espérance, l'ardeur de la charité. Parce que
C'est par la foi que nous connaissons Dieu. Nous l'avons connu par la foi. Nous autres, nous n'avons pas fait l'expérience directe comme les disciples, les apôtres. Mais nous confessons cette foi de que c'est lui qui est en train de mener notre histoire. C'est lui qui est au cœur de notre vie. Cette foi qui nous permet de le connaître nous ouvre à l'espérance, cette espérance à travers laquelle nous atteignons à Dieu, nous parvenons à Dieu. Quand l'être humain fait l'expérience de l'espérance au jour le jour, il est en train de s'élever vers Dieu. Parce que l'espérance est une vertu de futur. Il s'élève vers le devant, il s'avance avec un cœur serein et confiant. Et une fois que cette espérance quotidienne nous amène à atteindre, à parvenir au Seigneur, dans la réalité quotidienne, la charité nous aide à toucher Dieu. Nous touchons Dieu de par la charité. Nous touchons Dieu quand nous ouvrons notre cœur. Ce cœur-là qui est appelé à s'immoler pour son propre bien, pour le bien du Christ et à s'immoler pour le bien des autres. Nous touchons Dieu de par la charité. Bien chers amis, le Seigneur t'invite et il te dit que ton cœur ne se bouleverse pas. Je suis au cœur de la tempête. Tu peux faire l'expérience comme si je dors, mais tiens fort avec cette foi-là, avec le désir de cette espérance et avec l'ardeur de cette charité, avançons. Nous parviendrons, toi et moi, à la résurrection, à la vie, parce que c'est le chemin qui mène à la vérité. Et une fois que nous parvenons à la vérité pleine, cette vérité qui n'est pas seulement que les choses seront roses dans la vie pour nous, mais assumons aussi les croix et les difficultés, assumer les moments de douleur. C'est ça aussi la vérité du Christ, l'assumer ensemble avec lui. Une fois que nous rentrons dans cette plénitude de la vérité, la vie s'ouvre. Parce que nous savons que même si ce que nous sommes en train d'espérer aujourd'hui, demain nous ne l'avons pas, du moins nous avons quelqu'un, il est avec nous. C'est ça qui nous aide à ce que notre vie s'ouvre, notre vie n'est pas sombrée ou ne tombe pas dans une certaine profondeur obscure, mais toujours elle est dans une logique d'ouverture vers le Seigneur qui est notre amour et qui attend de nous que nous répondons à cet amour à travers cette réponse de foi. Que sa grâce nous y aide.